Bonjour, je m'appelle Clovis. Je suis né vers 1466 au 5e siècle et mort en 511 au... Bonjour, je m'appelle Mohamed ou Mahomet ou encore Muhammad. Je suis né au 6e siècle et mort au 7e siècle. En 630, l'ange Gabriel vient m'annoncer la... Bonjour, c'est moi, Hugues Capet. Vous vous souvenez de moi? Je suis né en 939. J'ai été comte de Paris. Je me suis fait élire roi de France avec l'appui de l'Église en 987. Mes descendants seront rois de France jusqu'en... Bonjour, je m'appelle Philippe Auguste. Je suis né en 1165 au 2e siècle et mort en 1223 au 13e siècle. J'ai agrandi le royaume de France en y rattachant la Normandie et l'Auvergne. J'ai également fait de Paris la capitale de mon royaume. J'ai aussi créé des baillis pour recevoir les... Bonjour, je suis Bertrand Duguesclin. Je suis né en 1320 au 14e siècle, puis je meurs en 1380 au 14e siècle. Je suis un chevalier breton. Charles V me nomme connétable, chef des armées, parce que j'ai beaucoup de stratégie et la France était en train de perdre toutes les batailles. Grâce à moi... Bonjour, je suis Gutenberg. J'ai vécu entre 1400 et 1468, au 15e siècle. Je suis un graveur allemand. En 1450, j'invente les caractères mobiles de plomb la presse a imprimé. J'ai imprimé mon premier livre, une Bible, vers 1455. Avant, on gravait sur des plaques. Bonjour, je m'appelle Jeanne d'Arc. Je suis née vers 1412 à Lorraine, au 15e siècle. J'ai déclaré entendre des voix de saints. Ils m'ont demandé de bouter les Anglais hors de France et de faire sacrer Charles VII à Reims. J'ai réussi à le faire sacrer le 17 juillet. Bonjour, je m'appelle Galilée. Je suis né en 1564 au 16e siècle. Je suis un très grand physicien. Je défends l'idée que la Terre n'est pas au centre de l'univers et qu'elle tourne autour du Soleil. D'autres sont morts pour avoir défendu cette idée. C'est moi qui ai découvert que la Lune avait été cratée.